dajé tay pour waxtan ak sunu njabot sunu xarit sunu soppé sunu njabot yi sunu dekkendo ñi nga xamni amna ci ñom tiofel ñu am ci ñun tiofel waxtan ak ñom ci ñaari mbir dañ jëm ci élection yo xamni dafa yu am solo la ñu japp ni jot nañ wax ak ni bañ ko def ci ay meeting wala ay caravane ndax li nga xamni tay monsieur le maire Abdoulaye Timbo da ko liggéey fi mëna wax ci ay caravane wala nga ci ay meeting dang ko jox ni ñi yobbu ko pendant 7 ans yu fi nek da fi liggéey lo xamni maire fi nekkon liggéey lu am solo mais buñu bolé liñu liggéey li Abdoulaye Timbo liggéey 7 ans yi dafa ëpp doolé lool nak su amé té nit ñi xamuñ ko dafa nekk suñu responsabilité pour ñu partager ko ak ñom tay fi ci Pikine bo jëlé le maire de la ville limu liggéey jëlal hôpital baytala job bi mu defa bloc opératoire buñu nekk buñu waré opérer dañ lan yobbu génn Pikine wala Guédiaway nga dem CTO wala nga dem principal wala nga dem fan tay def na fi bloc opératoire maternité bi da ko défarat ba nga xamni ku fay dugul suturlu sa xel dina dal dafa jaxoso won un peu ak fi malade nek hôpital médecine générale mais mu defal ko ba nga xamni sorena ak mom ndax intimité bi motax def lu mel nonou fi ci jamagal sikambaaw def ko ci keur massar hôpital bi nga xamni hôpital bi makki Pikine hôpital Pikine bi mo ndi len ay couveuse ndax afam gone go fon gane aduna matul yalla jël bakanam mu am ciowlu reuy bimu ko yegge mu andi fukki couveuse ak juroom andi ko ci hôpital bobu kon domaine de la santé setanul wa santé ci walu éducation mu jël ñetti juni bourse at mu jot may ko xalé Pikine ñu ci jang jang ci pendant ñetti at première année deuxième année ak troisième année xalé yu am ñu ci liggéey ba nek ay témoins ci lolu mu jël également tiaro yi nga xamni 1927 la amone école primaire ñi fi jaar ñepp bëgg sem mënuñ ko am maire yu bari jaar fi wa tiaro diko joy ci Abdoulaye Timbo la yalla dogalé mu tabaxalen sem bo xamni dernier cri le sem moderne dafa salle informatique dafa lepp lo xamni xalé da kay soxla ba xalé duñu jéggi talibi di dem ci un domaine muy lu am solo yamu ci dé yamu ci sport monde sportif bi yeb dañ ko gëreum ñom ñepp d'accord nañ li fi def ñi fi nekkon dé doulé nako 3 fois wala 4 fois ndax jël na subvention ASC Pikine ci fukki million yobugo ci juroom fukki million ASC yi bok ci ay hot cave zone bu nek mo yox sa subvention te da kay libérer bala heure bi jot institut yi nga xamni sport la lu melni handisport nga xamni ay way lago lañu di def basket biñu genn dem sen bitim rew mu jël len en charge ñi nga xamni ñofi nek radio communautaire sa yo xamni coupe d'afrique jotna mu jël ay million jox len pour jëm coupe d'afrique couvrir ko donc limu def ci sport def ko ci éducation def ko ci santé def ko ci social suñ ko de lim duñu paré muy un bilan exhaustif important mais également réalisation pertinent yu Pikine soxla won lolu mo ñu wax sédé tay bi ci dess moy ki nga xamni moy tédeliste majoritaire bu Pikine Nord bu Amadou Diarra def mo tête de liste proportionnelle ma koy gëreum diko sante également ci confiance bi am ci man ak mbollem colistier yépp tay ñu wara xex pour défendre effectivement le bilan et s'engager pour l'avenir pour ñu mëna am ndam ndax suñu amé ndam Abdoulaye Timbo am ndam dañ jëriñ wa Pikine Nord té am nañ engagement yu bari yu fil yo xam jël nañ ko yu bari bari mënañ ko lim lu melni centre commercial bi wara def ñaar témir ñaari juni place ak juroom témir muy 2500 place lu melni également maison de la jeunesse lu melni ay voies ay voirie ak pavage biñu bëgg def ci Pikine Nord lolu am nañu yéné buñu yalla mayé ñu am dam avec Amadou Diarra ñu ko ñu def liggéey bobu ak le maire Abdoulaye Timbo pour servir le peuple la population nord pikinois la population de le Pikine en général. Nous, la compagnie. Nous.
disponible, discret et organisé. Monsieur le maire Abdoulaye Timbo. Oh, maire, qui fait la fête de Pikine? Pour le travail remarquable qu'il est en train d'abattre. Guirnaou Pikine. Hé les amis, savez-vous que monsieur le maire Abdoulaye Timbo a massacré l'éducation à Pikine en un temps record? Dido. Bacha urlu ba. Urlu? Nga neko cha.
du département de Pékin. Nous, 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 Merci.
Certains Sénégalais, certains Pikinois pensent qu'il faut aller à pas de jambon. Parce que pour eux, Pikin est en retard. Ce n'est pas ça la réalité. Il a eu un mandat de 7 ans. Il a été élu en 2014. Il a eu énormément de réalisations dans tous les domaines de compétences. Et même dans les compétences générales. Dans le domaine de la santé, monsieur le maire a construit, a réhabilité également et a effectivement mis en place des blocs opératoires dans différents centres de santé, comme le centre de santé Dominique Baïtala Diop, à Yembel, à Keur Massar, à Yamougar Sika Mbao. Au niveau également de l'éducation, monsieur le maire donne chaque année plus de 3000 bourses aux élèves et étudiants pendant 3 ans pour terminer leur cycle. Monsieur le maire également a pris en charge les logements des étudiants habitants ressortissants de Pikin dans le département, dans la région de Thiès. Monsieur le maire a construit un CM flambant neuf dans la commune de Tiaroy-sur-Mer, qui est une préoccupation des populations depuis des décennies. La première école primaire de cette commune date de 1927, qui est même l'année du repos de l'âme de Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul. 1927, c'était la première fois que cette commune a eu une école. Et c'est aujourd'hui, en 2021, que le maire Abdoulaye Tibo a construit ce CM qui est un bijou pour les fils de Tiaroy. Abdoulaye Tibo a fait beaucoup de choses dans le département, dans tous les domaines. Dans le domaine du sport, il a pris la subvention pour l'ASPKIN de 10 millions à 50 millions.
toutes les zones hautes caves ont reçu leurs subventions. On vit également ces subventions à la hauteur. Monsieur le maire accompagne toutes les organisations, sport handicap, handisport, le basket, les sports de combat. Le maire est présent partout dans le département de Pékin. Nous avons vu également qu'avec le président de la République, il y a eu la construction de la grande mosquée de Pékin Nord. Le maire a construit un centre de santé, un poste de santé, inauguré tout récemment et qui porte le nom de Madame Marine Faisal. Et cet hôpital, ce centre de santé, c'est difficile, je veux dire, est ouvert pour les personnes du troisième âge, les femmes et même les jeunes. Il a mis en place un projet également d'énergie solaire qui permet d'éclairer et de prendre en charge l'énergie au niveau donc de cette mosquée. Monsieur le maire Blaise Touba a construit des voiries dans certaines communes. Il a fait beaucoup pendant ces 7 ans. Ce qu'il a fait comme bilan, aucun de des maires qui l'ont précédé n'ont pas pu le faire. Donc, il a fait beaucoup de choses très importantes. Voilà donc, en résumé, les réactions du maire. En ce qui concerne le maire de la commune, il a également, pendant son mandat, fait beaucoup de choses sur l'éducation, sur le social, au niveau des daras, au niveau donc des imams, des délégués des quartiers, au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes. Il a beaucoup intervenu et il a effectivement de bons résultats. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, en tant que tête de liste et coach-coulissier également du maire de la ville, nous avons la responsabilité de partager avec les électeurs et les populations toutes ces réalisations-là. Ablaye Timbo est à l'écoute de ses administrés. Les populations de Pékin ont réclamé pendant longtemps de l'espace pour élargir, pour l'extension des cimetières. Et le slogan, Sama Souf Mayok Sama Armel. Par l'intrigant de ce maire responsable, diplomate, le président de la République a pu se donner à la population de Pékin 6 hectares pour l'extension de ces cimetières-là. Ça, c'est sa diplomatie, son relation avec le président, mais également la capacité d'écoute par rapport à ces populations. Au plan de la coopération décentralisée, monsieur le maire a eu des relations avec les Espagnols. Il a permis d'avoir un santé dans le cadre d'un projet Paracas 3. Paracas 3, je veux dire. Et ses relations avec les autres pays développés lui ont permis de trouver effectivement beaucoup de projets pour les femmes et les jeunes. Ça, c'est très important de le dire. Mais surtout également sa capacité à manager la ville, parce qu'il a eu cutus dans le cadre donc des marchés publics. Il n'a jamais fait effectivement de mauvaise gouvernance. La gouvernance est bien saluée et ça c'était important parce que ça c'est un bilan immatériel. Dès qu'il est arrivé, il a eu un plan, il a planifié, il a donc un plan d'action. Il a respecté donc les modes de gestion, toutes les modalités pour la gestion donc d'une organisation. Et aujourd'hui, ce qui a valu effectivement ce que nous avons aujourd'hui. La jeunesse n'est pas oubliée. Mais il y a des projets spécifiques qui vont vers les femmes. Nos entrepreneurs féminins et l'autonomisation des femmes, qui sont aujourd'hui une priorité très importante pour ces femmes dans cette catégorie sociale. C'est pourquoi le maire en a fait effectivement une priorité et va effectivement exercer dans ce sens-là. La sécurité n'est pas oubliée. Nous avons des compétences transférées, mais vous savez, il y a des compétences générales qu'on ne peut pas oublier. Même si la police, la gendarmerie, les forces de défense existent dans le département, il va de soi effectivement que le maire accompagne ces structures pour la sécurité des populations. Ne pas le mettre dans le programme, ne pas dire délaisser cette sécurité qui est une priorité pour les Pékinois. En tout cas, c'est une question qui le tient à cœur. Tout ne peut pas être couché sur papier, mais nous savons bien effectivement qu'il prend en compte ces questions-là.